sont des choix qui, évidemment, ont poussé à l'aggravation des tensions, à l'aggravation des violences. La souricière qui a été mise en place à la place d'Italie au moment des gilets jaunes est une technique qui est insensée et qui, évidemment, ne pouvait qu'entraîner, encore une fois, une montée des tensions. Je pense que la France a besoin de calme, elle a besoin de respect, et ce respect, nous devons l'exiger, y compris du préfet de police de Paris. Alors, nous sommes en train de manifester pour faire voir au monde que ce qui se passe au Congo est inadmissible. Et ce monsieur, Ipupa Fally, a été financé par une partie des frais de l'État. La politique au Congo ne marche pas. Les politiciens congolais se donnent le luxe de pouvoir soutenir des concerts de ce genre-là. Alors, nous sommes des expatriés, nous sommes des réfugiés. Il y a plein du monde que vous voyez là. C'est des Congolais. On est en train de revendiquer sur le mort qui se passe à Beni, les viols, les tueries, tout ça. Et la République démocratique du Congo avec son armée, ils sont incapables de défendre l'espace national. Incapables de défendre les filles, les femmes, les hommes qui sont tués à Beni. Alors, ils viennent nous distraire avec ces fameux concerts de Ipupa Fally, financés par tout le monde, et ils s'affichent avec des Moussikabo, des personnes qui sont en conflit avec la République démocratique du Congo. Alors comment vous pouvez accepter que nous, Congolais, venions applaudir ce monsieur-là? C'est pas moi, Yohan. C'est vrai que ça fait un ensemble. Il y a des confrères, des frères africains, ivoiriens, tout le monde, plus une partie de la population congolaise. Il y a beaucoup, ce sont des jeunes, nos enfants de 20, 40 ans plus, tous ces grands messieurs que vous voyez là qui arrivent, ils sont fanatiques, oui, mais ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes là en train de nous battre pour que cette histoire s'arrête. Il faut d'abord on commence à résoudre les problèmes qui sont au niveau du pays pour qu'on puisse commencer à faire des fêtes. Qu'est-ce qu'il fallait avoir pour ce qu'il est en train de faire là pour la République? Mais pourquoi monsieur brûler autant de voitures, peut-être même pas des gens que vous contestez? Nous sommes d'accord, malheureusement, comme on dit, des dommages collatéraux. Nous sommes une collectif. On est venu, on a demandé l'annulation, mais étant donné qu'il y a des producteurs, il y a tout le monde qui t'a assisté. On n'a pas réussi à faire ça. On a été déforcés. Mais comme nous sommes une petite portion, nous sommes habilités à ce niveau-là. Voilà, c'est tout simplement ça. Des dizaines de scooters en flammes au pied de la gare de Lyon et une épaisse fumée noire qui envahit rapidement tout le quartier. Dans les couloirs du métro sous la gare, comme dans le hall principal, les usagers doivent quitter les lieux. Les commerces ferment, la circulation des trains est interrompue.